Bonjour à tous, du coup je suis Urshu Onima. Et... On vous entend au fond, on entend. Vous m'entendez? Oui. Du coup, oui, docteur en CHIA et en même temps résident ici à la MSH. Et je travaille sous la direction de M. Lignot et M. Mendes. Je m'intéresse aux questions de la représentation, des constructions des catégories de couleurs, de race et sociales dans l'espace soudanais. Mon travail s'intitule « La représentation du Bilal al-Soudan dans la littérature arabo-musulmane et dans les premières relations de voyageurs européo-chrétiens d'Ibn Battuta à Ahmed Baba, soit du XIVe au XVIe siècle. La particularité de ce travail, comme le disait M. Mendes, est de procéder au croisement des sources d'origines diverses, c'est-à-dire à la fois arabo-islamiques et chrétiennes. Et ces sources, elles appartiennent à des genres littéraires divers, variés. Je parle en fait de la source historique, géographique et juridique du monde musulman pour des sources chrétiennes. Pour les sources chrétiennes, ce sont plus des récits de voyageurs. En plus de cette méthode en fait, de croisement de sources, j'accorde en fait une attention particulière au lexique, aux mots et à leur contexte en fait d'emploi, d'usage et leur période. Dans le cadre en fait de cette présentation, je verrai avec vous en fait quelques dualités, un ensemble de mots que j'ai regroupés ensemble en fait pour pouvoir essayer à la fois de lire l'histoire de cette période, c'est-à-dire fin de la période moderne médiévale, début de l'époque moderne. Et de voir ce que ces mots peuvent dire de ce qu'est la construction de la catégorie de race, de couleur et la catégorie religieuse dans l'espace soudanais. Je vais commencer en fait avec un binôme religieux géographique. Oula, ça s'est décalé. C'est le Bilad al-Soudan et la Guinée. Ce sont deux termes qui reviennent généralement en fait dans les sources. Le Bilad al-Soudan en fait dans les sources arabes et la Guinée dans les sources chrétiennes. L'expression en fait Bilad al-Soudan désigne généralement dans la littérature historico-géographique arabe le pays des Noirs. Et avant le XIIe siècle, ce nom avait un entendement très vaste et pouvait aller de la côte ouest africaine aux confins de l'Inde, en clair les zones en fait où étaient peuplées ou habitées par les Noirs. Autour du XIIe, XIIIe siècle, l'expression se régionalise de plus en plus autour de la région, d'une région, d'une unité géographique, historique et culturelle qui constitue l'Afrique de l'Ouest actuelle. Plusieurs raisons vont expliquer pourquoi cette régionalisation, ce phénomène, pour Joseph Kuyok, qui a étudié les sources arabes, on va dire, dans les années 70, pour lui, en fait, les auteurs arabes avaient tendance à distinguer les populations subsahariennes suivant quatre grandes familles, c'est-à-dire les Anges dans l'Est, les Habachas, c'est-à-dire les Éthiopiens, ou encore Abyssins, les Nubiens et les Soudans. Ce phénomène, en plus de cette distinction de quatre grandes familles, le phénomène de la régionalisation du terme Bilad al-Soudan sur le plan purement géographique est aussi accentué par la popularité d'un mythe, le mythe en fait amitique, ou le mythe de Cham, selon lequel le fils Cham, fils maudit de Noé, a eu des descendants, et certains de ses descendants, c'était les Noirs, et c'était des Soudans. Et ces Soudans se sont installés à l'ouest de l'Afrique subsaharienne. Vous l'aurez compris, en fait, durant la période médiévale et moderne, en fait, le terme Bilal al-Soudan tend à représenter la partie l'interland de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique de l'Ouest. Certes, c'est toute l'Afrique, toute la partie subsaharienne de l'Ouest, mais assez régionalisée autour du bassin du Niger. Comme on peut le voir ici, je ne retrouve pas le curseur. Non. Je comprends les couleurs. Hein. Ok, du coup, la partie en jaune, je dirais jaune mauve, en fait, représente en fait le Bilal al-Soudan. Mais je vous l'exprime tout à l'heure,
il y a une certaine singularité. Disons que tout ce qui est en couleur, jaune, mauve et bordeaux, c'est le pays des Noirs. Ça, ça représente le Bilal al-Soudan. Et l'autre terme employé, c'est la Guinée. Le terme Guinée, dans les sources arabes, dans les sources, apparaît en fait dans les sources chrétiennes. Et comme peut le définir en fait le chroniqueur portugais Gomes et Yanes de Zurara dans son ouvrage La Chronique de Guinée, paru en 1453, la Guinée, c'est le pays des Noirs. La Guinée signifie pays des Noirs. Après, l'entendement même, en fait, ou plutôt l'introduction de ce terme dans la littérature chrétienne pose problème, c'est-à-dire sur son plan étymologique, ou comment il apparaît en fait, dans le monde chrétien pour représenter ou signifier un espace qu'il n'avait pas encore vu, on s'interroge. Toujours est-il qu'on retrouve les premières traces en fait, de ce terme « Guinée » dans une source arabe appelée le Kitab al-Rudjar, soit le livre de Roger de al-Idrissi, où il est l'un des premiers à parler à employer le terme « Guinée » au XIIe siècle. En soi, par la suite progressant, la Guinée en fait, va représenter toute la partie côtière. Et vous verrez en fait, le petit vert le long de la côte. La Guinée ne va pas en fait, dans l'intérieur des terres véritablement. La Guinée, c'est la région côtière. Là, c'est une distinction en fait, à faire entre c'est que la Guinée, comme on l'entendait en fait, les chroniqueurs chrétiens au XVe siècle, et la Guinée, par la suite, en fait, comme on va l'entendre au XIXe siècle. Le pays des Noirs, c'est aussi des entités politiques. Et pour le coup, là, nous avons retenu en fait deux entités, deux empires, l'Empire du Mali et celui du Sangaï. L'Empire du Mali est une organisation sociopolitique qui naît au XIIIe siècle, soit vers 1250. Il est fondé par Marie Jatta, comme le désigne Ibn Khaldoun, et Sundiata Keïta, selon les traditions locales. C'est en avril 1324, que l'Empire du Mali acquiert en fait toutes ses lettres de noblesse, notamment à travers le pèlerinage à la Mecque du Mansa Moussa. Et on a tendance actuellement à associer les deux, faire de Mansa le prénom et Moussa son nom. Mansa n'est rien d'autre que le titre. Pour le coup, c'est l'équivalent de sultan, de roi ou de souverain. Et Moussa, son nom ou prénom. Il règne de 1307 à 1330 et son pèlerinage à la Mecque, en fait, en avril 1324, va avoir des grandes répercussions pour l'espace ouest africain. Et ces répercussions, je reviendrai en fait sur la carte, sont telles que le Mali intègre à la fois la scène, est reconnu sur la scène internationale de l'époque, mais aussi intègre le Dar al-Islam ou le domaine de l'islam, lequel domaine a eu tendance à exclure tout ce qui n'était pas musulman. Et à partir de ce moment, le Mali et les populations de l'Empire du Mali deviennent intègrent l'Ouma, la communauté des croyants. Le Mali, en plus de cela, on a en fait avec ce pèlerinage, on a le mythe de l'or ouest-africain qui se crée encore un peu plus. Et avec l'intégration notamment du Mansa Moussa et du Mali dans la carte de Hernan Crest, des cartographes de Majorque, en 1375, et bien avant lui, en 1339, dans celle de Angelino du Serre. Le Mali périclite vers 1359, mais c'est au début de la deuxième moitié du XVe siècle que le Mali s'efface progressivement de la scène ouest-africaine pour laisser place à l'Empire du Sangaï. Disons que l'Empire du Sangaï était un vassal de l'Empire du Mali depuis 1324. Certains disent que c'est le Mansa Moussa qui aurait conquis la région du Mali, du Sangaï. Le Sangaï se détache du Mali
et devient une entité politique à part entière vers 1450. Et en 1464, le Soni Alibert, qui Soni veut ici dire souverain et, ou roi ou sultan, Soni Alibert prend lui en fait la tête de l'empire, l'étend d'est en ouest et en fait un véritable empire géographique. Et ici, vous pouvez voir en fait l'étendue de l'empire du Sangrai et son étendue et sa zone d'influence, allant de Tombouctou à Djéné, tout en montant vers le nord, dans la région du désert, en fait, à Tarazin. Là, nous voyons, en fait, nous sommes dans les constructions des catégories de religion, le Soudan et le Takro. Si le Soudan, en fait, peut représenter ou veut signifier, en fait, noir, c'est la forme plurielle de Soudan, c'est la forme plurielle de noir, c'est aussi les noirs avec en tant que population, avec les stéréotypes qu'on peut en fait associer aux Noirs. C'est-à-dire, le stéréotype premier, c'est celui de Koufar, infidèle. Et en soi, le fait d'être Noir au Soudan, c'est être savoir l'essence même de l'infidélité. Par contre, un autre terme apparaît, c'est celui de Takro. Le Takro, lui, va s'opposer au Soudan dans le sens de où le Takro est le premier empire ouest-africain, le premier territoire ouest-africain à s'être converti à l'islam. Et dans l'évolution, ce terme en fait, de Takro va finir par désigner toutes les personnes musulmanes soudanaises, c'est-à-dire de cette région. Ainsi, en fait, le terme Takro devient la transcendance même de l'essence première du Soudan. Un Soudan peut rester... être un noir, c'est-à-dire un infidèle. Par contre, un Takro, il est systématiquement musulman. Il y a à ce moment, naît une différence entre les deux. Et pourtant, c'est la même région. Une autre dualité religieuse et de couleur, c'est les autres, on va dire. Bidan et musulman. Le bidan, forme plurielle de blanc en arabe. Ce terme en fait désigne systématiquement toutes les communautés blanches présentes dans la région soudanaise, c'est-à-dire que ce soit dans l'empire du Mali ou dans l'empire du Sangrai. Ces blancs sont systématiquement considérés comme étant musulmans, avec une légèrence en fait de considération de pureté. Dans l'empire du Mali, comme le pouvait le signaler le voyageur Ibn Battuta en 1352, les bidans vivent en fait en communauté à part, avec à leur tête un représentant légal ou un chef auprès du souverain. Et pour la petite histoire, à l'époque où Ibn Battuta visite l'empire du Mali, à la capitale Mali, il constate que le fakir, c'est-à-dire l'homme de foi ou de loi de cette période, est son fils a épousé la fille du souverain. Par conséquent, en fait, il y a des liens intrinsèques qui se créent, qui se lient entre les Soudanais et ces hommes blancs. Et l'autre élément, on va terminer avec, en fait, c'est chrétien et blanc. L'image, en fait, du chrétien se crée progressivement au gré de sa présence locale sur la côte. Elle se crée dans le sens où, dès qu'il arrive, il se définit en tant que chrétien. Sauf que chrétien ne représente rien pour les populations soudanaises et les populations de Guinée. Ça ne veut rien dire et on va le constater avec Antonio de Malfante ou Kadamusto, qui, chaque fois qu'ils sont présentés en tant que chrétiens, les populations n'ont rien retenu. Ce qui a le plus intrigué, c'est blanc. Le fait que ces hommes, en fait, étaient de couleurs différentes aux populations locales, c'est majoritairement noires. Et Antonio Kadamusto qui signale que lors de sa présence dans un marché de l'Empire du Mali, la population accourait vers lui pour toucher sa peau, essayer de cracher dessus pour essayer de l'effacer et voir si la couleur de sa peau a été simulée. Comme quoi, la couleur blanche, en fait, l'espace ouest-africain ou soudanais, pour cette période, invente en quelque sorte la considération du blanc ou la création du blanc, étant donné que dès qu'ils arrivent, ils ne se définissent pas en blanc, mais en chrétien.
En clair, en fait, à travers ces notions que nous venons de parcourir, il apparaît donc que pour la période médiévale et moderne, plusieurs éléments sont convoqués pour produire dans la région soudanaise un discours de différenciation et d'exclusion. Parmi ces éléments, nous avons la religion, la couleur, et qui sont les plus récurrents, que ce soit chez les arabo-berbères, que chez les chrétiens, mais aussi chez les soudanais. Chez ces derniers, les classes dominantes, quasi systématiquement musulmanes, calquent le discours de rejet islamique et l'adaptent localement dans l'optique de justifier des phénomènes préexistants à l'islam, comme va en témoigner, je vous en ai pas parlé, mais comme en témoigne la construction de la servitude d'une ethnie locale, l'ethnie Sorko, autour du XVIe siècle, dans l'Empire du Sangreal. Je vous remercie.